Bonjour à tous, c'est Valou et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale où c'est vraiment le retour des cartes Pokémon chez McDonald's. Franchement, ça me fait super plaisir de vous partager ça. Ça arrive fin septembre, voire octobre. C'est sorti partout, sauf en France pour l'instant. Mais avant de commencer la vidéo, oublie pas, je t'ai fait gagner un petit booster style de combat non pesé, non trié. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le like sous cette vidéo et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer. Alors, on va parler maintenant de la sortie officielle des Pokémon chez McDonald's comme tous les ans en 2023. Alors, au total à collectionner, il y aura 14 cartes, si je dis pas de bêtises, avec les starters d'écarlate et violet, Poussacha, Coifton, Chochodil, Pietassé, Balbalaise, Fulgulero, bref, Pomme, Flotillon, Dunaconda, L'Euphorie, Craparois, Campagnol, Motorizard et bien évidemment la star, comme chaque année, Pikachu. Je vous mets le petit visuel juste ici, franchement, il est magnifique. J'ai vraiment hâte de l'avoir dans ma collection, voire en PSA 10. Franchement, ça serait incroyable. Tous les petits Pikachu de chaque année de chez McDonald's, franchement, c'est vraiment incroyable. En plus, cette année, comme vous le savez, l'année dernière, on avait encore les cartes. Avec, alors je sais pas si j'ai un exemple juste ici, non, j'ai pas d'exemple. Bref, comme vous le savez, l'année dernière c'était encore avec les bords jaunes et maintenant cette année ça sera avec les bords gris des cartes. Franchement, je vous partage les visuels comme le petit Poussacha juste ici qui est vraiment magnifique, ça brille de partout. J'ai vraiment hâte d'avoir ces cartes entre les mains. J'espère qu'il va vraiment y avoir une bonne impression, c'est-à-dire un bon cadrage tout simplement, pas une carte avec un cadrage du Pikachu cadré avec le fiacre comme voilà. Bref, franchement, après il y a pas mal de Pokémon, franchement, pour Sacha, Coifton, Chochodil, les starters obligés de les avoir vraiment. Après, j'ai hâte de voir aussi Motorizard, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai déjà vu quelques ouvertures anglophone, tout simplement parce que ça vient de sortir là récemment. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Je suis assez hype d'ailleurs. Dans les boosters, je vous partage les petits boosters juste ici. Les boosters sont bien évidemment en carton pour l'écologie de la planète, ça fait plaisir. Et dedans, il y aura 4 cartes. 4 cartes, dont une holo à chaque booster que vous retrouvez bien évidemment dans le menu Happy Meal. Franchement, je suis assez hype par cette petite collection. Voilà, ça fait plaisir. Je vais acheter quelques boosters et je vais garder quelques boosters scellés dans la petite pochette en carton. Franchement, il y a aussi des belles pochettes. Voilà, petit jeu pour ceux qui veulent jouer. Je trouve que ça fait assez plaisir pour les enfants. Franchement, quand vous achetez le petit Happy Meal, voilà, vous avez ce petit jeu, ça fait plaisir aux enfants. C'est, on va dire, entre guillemets, gratuit, c'est un plus. Nous, on collectionne les cartes parce que voilà, ça fait plaisir. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette sortie officielle Pokémon chez McDonald's. Voilà, ça arrive très très bientôt pour le mois d'octobre, voire allez, début novembre, grand maximum. Il n'y a pas encore de date officielle de sortie, mais j'ai vraiment hâte que ça sorte. Tout simplement pour pouvoir collectionner ces cartes et pourquoi pas les envoyer grader. J'attends vos retours sur cette vidéo, sur cette information. Demain, on se retrouve pour la prochaine série après 151 qui arrive, c'est-à-dire EV4, avec des visuels de fou. Bref, je t'en dis pas plus. Abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas, ce mois-ci, il y a le petit booster style de combat. Il y aura beaucoup plus à gagner les prochains mois si vous me donnez encore plus de force. C'était Valou, on se retrouve demain. Ciao!